Dans le forum ouvert des 10 ans de Ethnopolis que j'ai sorti cette idée de pérenniser Ethnopolis hors des murs de l'école. Donc de rencontrer l'autre, de faire la fête de se rencontrer. Bonne idée. Et donc on en est, et puis il y a Madame Virginie Essé aussi qui était dans l'atelier que j'ai animé. On s'est échangé nos cartes de visite. Après, elle m'a contacté. Et puis, ensemble, nous avons mûri l'idée de cette fête que j'ai dénommée Ethno Lancy Fiesta. Donc, c'est de sortir les gens de l'isolement, de la déprime, de la grisaille. De la grisaille, de tout ce temps humide qui fait que les gens s'isolent de plus en plus. Donc c'est vraiment de rassembler les uns les autres autour d'un repas, autour de la danse, autour de la musique. Tous les jeunes qu'il y a dans les locaux ici au Grand Nancy, ça c'est quelque chose de très très bien que le Grand Nancy fait et qui m'a permis de rentrer dans le vivier culturel genevois. Il y est, il y est l'eau, il y est l'eau, il y est l'eau, moi il y a comme l'eau. Et tu m'y l'as pour comme l'eau, moi il y a comme l'eau, regarde la pour comme. Maintenant, je sais, pour fêter à le monde, je me mets à chanter. Tout d'un coup, il y a eu un silence religieux, là. Ah ah, je me disais bien. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, bonjour. C'est fort, hein? J'essaye. Bonjour, comment allez-vous? Et la grand-mère, elle va bien? Le grand-père? La maison, elle est construite? Tout va bien chez vous? Je te rappelle. Et c'est ça la différence qu'il y a entre la Suisse et le Bénin. Je me souviens. La première fois que je suis arrivée ici, j'arrive à la douane, je vais vers le monsieur, le douanier, je dis bonjour, comment allez-vous? La femme, elle va bien à la maison? Bien, maintenant, présentez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Je dis, attends, je lui parle de sa femme et lui, il me parle des papiers. J'ai un problème. Je suis née à Dampomé, au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Je me souviens que quand j'étais dans le ventre de ma mère, vous vous souvenez pas, vous? Vous êtes des gens normaux. Donc je vois que dans la salle, il y a des gens normaux et il y a les autres. Moi, je me souviens.
Voilà, moi aussi je me souviens. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, on me faisait manger tout et n'importe quoi, sans jamais demander mon avis. Ça c'est vrai. Et j'entendais ce bruit. Poum, 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 poum. Ce cœur qui bat. Et tout d'un coup, j'ai vu plus de lumière. Et waf, je suis sortie. Je me souviens de ce jour-là, il y avait un monde pour accueillir l'enfant enchanté. Parce que chez nous, en Afrique, quand les gens ils naissent, il y a plein de monde qui sont là. Ici, quand vous amenez votre femme à l'hôpital, à la maternité, elle est toute seule. Des fois, on accepte le père. Le mari, on l'accepte. Mais chez moi, là-bas, il y a 20, 30, 40 personnes qui sont là avec à la maternité, comme ça, avec la sage-femme, et qui lui dit parfois ce qu'il faut faire. C'est ça, l'Afrique. Je viens de là, et je me souviens que tout le monde chantait quand je suis arrivée. Je me souviens aussi que quand j'étais dans le monde, ils posaient toujours des questions. Ben, dis donc, ta femme, elle veut accoucher une fille ou un garçon? Comment tu sais que c'est une fille? Parce que là, on l'a vu dans le... Dans l'échographie? Voilà. Ah ben, ce machin-là, alors. Moi, la première fois que j'ai vu l'échographie, je croyais que c'était une photo de l'homme sur la lune que le gars. Je croyais pas, ce machin-là, c'est trop moderne, ça. Mais dans le là où je suis, non, on sait pas ce que c'est que l'échographie. Pourquoi tu veux savoir quel enfant va naître? Et puis imagine qu'il y a des scientifiques, hein, des gens qui ont fait des années d'études et tout, dépensé des milliards pour savoir s'il y a un garçon ou une fille dans le monde.
ça n'a pas de sens en ce moment, ils ont fait. Le pétrole est dans le mur, le machin. J'ai essayé de faire le circuit. Et puis après, l'homme rose, il me dit, chérie, j'ai coulé le bain. J'ai dit, il a causé une tuerie.